Et bim, mortel, c'est parti. C'est parti pour la mortaise. Je commence par faire une entaille à 90 qui fait qu'elle va comme ça et qui respecte ici la diagonale. Donc là j'ai un petit peu retouché là. Ça peut paraître pas grand chose, mais c'est important si je veux être précis. Ensuite, je vais traverser ici. Avec l'angle qu'il y a sur mon trail. Donc voilà, là on est toujours bien. Maintenant je vais prendre un plus petit ciseau pour enlever le surplus un peu partout. Donc là j'ai mes deux coins qui rentrent, nickel. Maintenant il faut que j'ajuste là. Alors je peux changer entre le petit et le gros au niveau des ciseaux. Et plus efficace comme ça. Je vais faire un petit chanfrein de chaque côté.
trouve que c'est un poil juste. Nickel. Là, tu collèges de tout ça, là. Je vais contrôler la profondeur avec. Avec ça, voilà.
contrôle. Là, je suis bien. On est tout de suite là. Voilà, c'est tellement bien serré. On n'a rien à faire d'autre. Alors voilà de quoi à quoi je dois passer. Juste en rabotant un peu les angles. Donc, je me suis fait mes marquages. Je sais pas si on voit bien. Ici, là, ça correspond à l'angle qui est là. Et ici. Et après, cette hauteur-là, ça vient en gros comme ça. Comme ça. Bout. Bah, comme on peut voir, c'est pas mal du tout hein. Au niveau des angles. On est kiff au niveau de la hauteur, de la largeur, tout ça. Donc là, je vais me faire mes petits arrondis au niveau des deux angles là, comme ça au rabot à main. Et puis je finirai à la ponceuse longue bande là pour faire la finition propre. Quand vous voulez faire un arrondi, vous commencez toujours par faire l'angle à 45 comme ça. Et après vous développez. Et normalement ça devient tout seul.
angle à 45. Hop. Ensuite, je viens casser les deux angles. Donc déjà, on a une esquisse d'arrondi. Et voilà, tout simplement. Maintenant, ponceuse. Ponçage au 80 sur toutes les parties courbes. Finition à faire. Au 120 maintenant. Là, je casse les arêtes, la plupart. Sinon, vous allez faire des chanfreins. Voilà pour les curieux qui se demandent à quoi ça va ressembler. Hop. Donc là, le socle pour l'appareil photo, je ne l'ai pas encore fixé, je vais juste tout poser ensemble pour voir ce que ça allait donner. Tac, ici le trépied. Donc voilà, là j'avais prévu de mettre des morceaux de bois pour faire compas. Je pense que je vais simplement mettre une ficelle ou une chaînette, je verrai bien. Et donc là, je l'ai coincé pour l'instant avec un petit coin. J'aimerais par la suite pouvoir le régler à peu près tous les centimètres en hauteur. Ça me permettrait de pouvoir fixer en haut mon niveau laser. Et du coup, de pouvoir m'en servir aussi comme trépied pour niveau laser. Ça serait classe quand même, parce que montrer ça au client, quand j'arrive sur un chantier, c'est quand même sympa, quoi. Donc voilà, donc peut-être faire une petite crémaillère ici avec ici un petit clapet qui ferait comme ça, là, tac 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 tac, et du coup qui viendrait mordre dans la crémaillère. Voilà, faut que j'y réfléchisse, ça peut être vite fait la scie à ruban, mais je pense que tous les centimètres ce serait pas quelque chose d'impossible à faire. Donc voilà, je vais réfléchir et puis on voit ce que ça donne.